Et vraiment des moments clés dans la mobilisation parce qu'elle a duré 3 mois et elle a changé de caractère un peu sur reprise. Les premières images, les gens parlent de la violence. La violence à l'égard des jeunes, donc les jeunes manifestants et les inquiets, qui ont été sévèrement battus dans la nuit par les forces de l'ordre. Donc des manifestations qui ne représentaient aucun danger du point de vue de l'ordre public. Donc il y a eu une vraie volonté de porter violence et de punir ces jeunes publics. Et au lieu d'étouffer cette mobilisation, au contraire, il y a eu en effet opposé, puisque ça a mobilisé énormément d'Ukrainiens à travers toute l'Ukraine qui sont venus à Kiev pour protester. Et donc là, on change d'échelle, le Maïdan change d'échelle. À partir du 1er décembre, c'est une mobilisation déjà qui réunit souvent des centaines de milliers de personnes à Kiev. On vous montre le mois de décembre, c'est une mobilisation pacifique. Il y a eu quelques accrochages, mais quand même, le mouvement restait pacifique. Avancer un certain nombre de revendications, mais le gouvernement laisse des sous et ensuite donc le mouvement s'est radicalisé aussi, puisque le pouvoir a continué à utiliser la violence à l'égard des manifestants. Donc on vous montre la séquence du 19 janvier 2014, les premières violences sur Maïdan, les premiers accrochages donc entre les manifestants et les forces de l'ordre. La solidarité aussi, puisque le Maïdan, il y a des gens qui vivent sur place. Il y en a qui sont restés pendant presque 3 mois. Et donc, c'est une solidarité, les produits, les livres. On apporte à boire, on apporte à manger, on organise une résistance. Il y avait bien des mouvements pro-Maïdan à Donetsk et à Luhansk. C'était des gens qui étaient très motivés, qui restaient jour et nuit, pendant des mois, en même temps que Maïdan de Kiev. Mais ils n'étaient pas assez nombreux, et puis ensuite, ils étaient bien sûr poursuivis. De façon très sournoise, leur famille était poursuivie, ils étaient menacés, donc forcément c'était très difficile de, face en plus à une propagande russe qui se développait à la télé, c'était très difficile pour les protestataires pro-Maïdan à Donetsk et à Luhansk de augmenter leur rang, en quelque sorte. Et donc, ces gens-là, ils ont fui une fois que la guerre a commencé. Ils ont fui vers l'Ukraine. Il y a 1,5 million de déplacés internes vers l'Ukraine. Mais il y a bien sûr notamment des gens, à peu près 1 million de personnes qui se sont déplacées vers la Russie. Et puis environ 1,5 million de personnes qui sont restées sur place. Vous voyez l'image du 19 février. Où un assaut avait été donné par les autorités contre la mobilisation, et donc il y a une barricade qui se construit, encore une fois, toutes ces chaînes humaines et cette solidarité. Et ce que le film ne vous dit pas, c'est que Maïdan a raison, mais vous le savez par la presse aussi, puisque ce mouvement a réussi à culer le président en exercice à la fuite, mais ça a eu une conséquence très directe sur le mouvement, puisque vous voyez les séquences en Crimée. L'annexion de la Crimée à Russie, et puisque je connaissais les images de Maïdan, j'ai trouvé les images de la prise de l'aérodrome de Belbek à côté des Simferopol en Crimée extrêmement parlantes. On vous montre la détresse de l'armée ukrainienne, on vous montre des hommes qui sont un tout petit peu armés, mais pas beaucoup, et surtout on ne leur donne pas l'ordre de répliquer. Et en face, vous avez une armée professionnelle qui arrive et qui occupe le territoire. Et sur les marges, vous avez aussi les forces de l'autodéfense, donc soi-disant les locaux qui les soutiennent, mais on vous dit aussi que c'est des Cosaques venus de Russie, appuyés également, donc cette prise d'assaut de l'aérodrome. Et donc l'annexion qui se passe le déploiement de troupes très très rapide, en sachant qu'il y avait déjà des troupes russes stationnées en Crimée, donc l'annexion qui se passe en l'espace de deux semaines et demie. À cause de cet interventionnisme russe, initialement par les uns, progressivement aussi par l'envoi des troupes. Et donc c'est la situation que vit l'Ukraine aujourd'hui, une situation de guerre, avec un cessez-le-feu, deux cessez-le-feux qui avaient été signés en septembre, en outre dans le prolongement au mois de février. Cessez-le-feu qui ne tient pas, comme vous l'avez dit, effectivement, avec des tirs réguliers et donc un certain nombre de conséquences aussi très directes à la fois sur la société qui reste très solidaire et très mobilisée. Dans le documentaire, vous voyez les 100 000 citoyens ukrainiens qui apportent des munitions et des livres à l'armée aussi, puisque encore une fois,
ayant lieu au moment où le conflit commence. L'islamisme au moins passif, il est souvent actif, puisque la personne peut passer très facilement du russe à l'ukrainien, après ça dépend dans quel territoire on est, peut-être un peu moins dans l'Ukraine de l'Ouest, surtout avec les jeunes générations qui perdent aussi cette connaissance du russe. En Ukraine de l'Est, peut-être la personne aura plus une préférence plus facilement par le rhin le russe, mais elle connaît nécessairement l'ukrainien parce qu'elle avait appris déjà la langue à l'école. Donc c'est pour ça que moi je préfère parler du bilinguisme passif, au moins on comprend les deux langues. Et vis-à-vis par exemple moi qui viens de Biélorussie et qui est russophone, si je m'adresse à une personne, à un russe, on va me répondre en ukrainien, puisque je passe pour le local. On suppose que je comprends de toute façon l'ukrainien. On va respecter mon choix de parler russe, mais on répondra en ukrainien, de préférence. Et donc, c'est ce contexte de bilinguisme passif qui domine pratiquement l'ensemble du territoire. Après, en effet, cette question de la langue a fait l'objet de tensions. Tensions politiques, elle a été instrumentalisée par les différentes forces politiques, et notamment par le parti Renaissance, donc le parti de ce président qui avait été renversé par le Maïdan. Pourquoi ? Parce que ce parti-là représentait l'Est plutôt russophone, effectivement, de l'Ukraine. Et donc le parti des régions a fait voter en 2012, imposé, en quelque sorte par la force, une loi sur la langue régionale, pour permettre à un certain nombre de territoires de pratiquer le russe, notamment dans les communications avec les administrations, les tribunaux, etc. Ce qui a été très mal reçu, puisque l'ukrainien est la langue nationale depuis 1989. Donc encore 2 ans avant l'effondrement de l'URSS, le Parlement de l'époque a voté l'ukrainien, a accordé l'ukrainien le statut de langue nationale. Mais je pense que c'est moins la mesure elle-même, plus la manière dont ça a été imposé, qui a été très mal perçue, parce qu'il y a eu un long débat, effectivement, au cours des années 90-2000. Il y a eu déjà ce glissement vers l'acceptation du bilinguisme et du russe, en tout cas en tant que langue régionale, mais la manière dont ça avait été fait en 2012, ça a nécessairement marqué. Je me souviens, j'ai toujours appris l'ukrainien à l'école. Toute la documentation juridique et autres officielles dans les entreprises, la comptabilité, etc., tout était en ukrainien. Les gens parlaient la langue russe au quotidien, mais ils pouvaient quand même écrire et s'exprimer s'il fallait en ukrainien. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y avait jamais vraiment de conflit. Peut-être certains râlaient, mais on râle tous un peu pour tout, mais il n'y avait pas vraiment de protestation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manifestation pendant toutes ces années. À Donetsk ou je sais pas, ailleurs, où les gens allaient sortir pour dire bon, les Ukrainiens, on en a marre, on est russe, ou je sais pas. Après, ça dépend de où on est, dans quel territoire on est. Par exemple, dans la région de Donetsk, qu'on souvent dépend uniquement comme territoire des Russes ethniques, il y a tout un mélange de populations, il y a les Arméniens, il y a les Grecs. Ensuite, si on avance le sud, il y a des communautés allemandes, par exemple, qui sont des Allemands qui sont venus s'installer au XVIIe siècle en Ukraine. Si on avance ensuite vers l'ouest, dans la Transcarpathie, là, il y a aussi un certain nombre de minorités, donc les pays limitrophes, minorités polonaises, minorités roumaines. Et donc, effectivement, il y a une grande diversité. Il y avait quand même au moins 40% de la population qui se prononçait pour des relations plus étroites avec la Russie. Et je pense que les facteurs économiques sont très importants. Si on est à Kharkiv, par exemple, si on est même à Donetsk, à Lugansk, souvent le marché du travail, c'était le marché russe. C'est là où on vendait sa force de travail. C'est aussi une certaine représentation de la Russie qui était véhiculée à travers les médias également. J'étais à Donetsk, à Kharkiv début mai 2014, donc juste avant le référendum dont le film parle, et j'ai été surprise en discutant avec les gens dans cette mobilisation pro-russe des représentations qu'ils avaient de la Russie, sans avoir de contact direct, sans y être allé ces 10 dernières années, parce que c'était la question que je leur posais quand elles me parlaient de tous les bienfaits de la Russie, de l'économie russe, des salaires, etc. Je me disais, mais vous y êtes allé, ça remonte à quand votre dernier voyage? Donc il y a eu une certaine représentation de la Russie, du bienfait que cette coopération avec la Russie pouvait apporter.
Et ensuite, quand même, avant la signature de l'accord d'association, on voyait que la majorité basculait quand même plutôt du côté de l'Union européenne, et donc des bienfaits que cette association avec l'Union européenne pourrait apporter. Il y a des statistiques qui sortaient qui disaient que 34% de population n'ont jamais mis les pieds en dehors de leur ville ou village. Donc tout ce qu'ils savent du monde, ça vient de l'intérieur, mais aussi sachant qu'à l'époque soviétique, la télé, c'était presque une source d'information divine, un mode de stade. Aujourd'hui, les sondages, c'est le choix pro-européen qui s'est largement imposé. Et c'est aussi l'effet de la guerre, finalement. Si la Russie s'est fait l'effet contraire de la guerre, si la Russie cherchait à récupérer l'Ukraine pour la garder dans sa sphère d'influence, c'est l'effet vraiment contraire qui s'est produit. Parce que ça a à la fois conforté les Ukrainiens dans leur choix de l'Europe, ça a remobilisé les Ukrainiens face à cette agression extérieure. Et en fait, après cet abattement de la démonstration étudiante la nuit de 30 novembre, la manifestation a complètement changé son but. En fait, c'était plus une manifestation pro-européenne, c'était la protestation des dignités, en fait. C'était la révolution des dignités pour ne pas se laisser battre par cette propre pouvoir. Et donc, même avant Maïdan, l'Union européenne était le plus grand partenaire commercial à l'Ukraine. Et maintenant, c'est encore plus augmenté, alors que la Russie a perdu énormément dans notre exportation-importation.